Attends, non, il a... Vive attaque. Non, il est Team Spectre, je suis mongol. Oh non, il s'est transformé, il a tous les PV. Mais quel mongol je fais. Yo les trashers, salut à tous, c'est Fidrock, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de Pokémon Soleil et Lune. Le défi du jour, je dois prononcer 100 fois le mot qui me fait flipper dans Pokémon, le mot qui me fait le plus flipper dans Pokémon, c'est Regigigas. Et donc je vais devoir le prononcer 100 fois d'affilée. Et je suis chaud, ok? J'ai mes doigts pour compter. 3, 2, 1, ok. Regigigas, 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 Regigigas. Régigigas, 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 Régigigas. Bref. Régigigas 100 fois. Alors j'ai remarqué aussi que mon Régigigas avait des statistiques de merde. Regardez ses statistiques, il a 11 dans les stats. Si vous comparez avec Munja 44 en attaque ou lui qui a des statistiques normales, je me suis bien fait niquer en fait. Mon Régigas est tout nul. J'ai confiance en Boubacar. Car même si c'est le pire Pokémon du jeu, en fait, c'est les pires Pokémon du jeu. Un Pokémon qui meurt automatiquement à la fin du premier tour est forcément le pire Pokémon du jeu. Je crois qu'il y a... Même Zarbi serait meilleur, mais... Mais voilà. Allez, un Fennec. Oh... Mais le problème, en fait, c'est que je peux pas les one-shot. Si je pouvais... Non, je vais pouvoir le one-shot si je suis plus rapide que lui. Oh, si j'arrive à one-shot le Pokémon... Attends, non, il a... Vive attaque. Non, il est Team Spectre, je suis mongol. Oh non, il s'est transformé. Il a tous les PV. Mais quel mongol je fais. Je suis déjà bon pour aller au centre Pokémon pour soigner Boubacar. Eventually... Le ranch Oana. J'ai adoré cette zone la première fois que j'ai fait. Oh putain, Shaymin, il me faut. Vite. Shaymin intimidation. Oh, je prends tellement. Allez, je capture. J'adore Shaymin, il est trop mignon. Hop. Shaymin va aller dans mon équipe. Il va falloir choisir, je sais déjà ce que je vais... Oh, il a tourbi sable en plus. Oh, j'ai une idée trop de nom trop mignon. Coccinus. Comme un mix entre un anus et une coccinelle. C'est trop bien, hein. Salut Cisayoxy qui me fonce dedans à chaque fois. Wesh gros, viens, on va se frapper sur un combat Pokémon pour faire de l'argent. Je dis la coupe, mais il y a aussi les putes. Je vais soigner tes Pokémon avant, d'accord. Allez. D'accord, j'ai pas le choix, hein. Même pas de sauvegarde. Allez mon bro, allez mon équipe, en avant pour la victoire. Super. Allez, c'est parti Cisayoxy. Je vais te refaire l'anus. Avec Coccinus. Oh putain, c'est tellement génial. Il a Groudon. Bon ça va, c'est Groudon normal. Il a tunnel, c'est Groudon tunnel. Vous pensez que je tanque un tunnel? J'ai des gros doutes, hein. Mais je vais anticiper. Regardez cette anticipation les mecs. Regardez ça, je suis dans sa tête. Non, c'est pas très dur d'anticiper un tunnel. Allez, demi-tour. Il a point d'art, c'est bon, il me touche pas. Ah, ça fait pas mal. Oh, il m'a flinch, le connard. Bon, bah, je vais faire appel à l'attaque, alors. Il a Torgnole. Aïe. Aïe.
Putain, ça touche toujours 5 fois, Torgnol. Toujours 5 fois. Toujours 5 fois, Torgnol. Je vous le dis. Bon, les dégâts, c'est pas ça, quand même. Hein. Ah, c'est bon, il a raté son Torgnol. Ah! Allez, Scoop de France, tu peux le faire contre Graoudon! Ça va, il fait point d'art. Il est con, hein, par contre. Hein. Allez, hop. Tout va bien. Torgnol, quand ça touche pas 5 fois, ça flinche. Et donc, t'es relou un peu. Hein. Allez, c'est bon, j'ai des super potions. Hop! Moi aussi, je peux tricher, y'a pas de soucis. T'as un Graoudon dans ton équipe? Bientôt, bientôt, tu verras. J'aurai un Shaymin. Allez, Scoop de France, le héros du jour. Appel attaque. Ça fait plutôt mal pour un Groudon quand même. Enfin, ça fait plutôt mal à un Groudon, je veux dire. Ouais, il est vraiment con, hein, Cisaloxy. Ça ressemble bien à Cisaloxy de spammer bêtement. Ouh, double critique, ça fait plaisir. Allez, voilà, Torgnol. 1, 2, aïe. Touché deux fois, c'est bon. Oh, putain, mais crève. Allez, Torgnol, touche pas 5 fois, c'est bon. 1, putain, ça va toucher 5 fois. 2, merde. Non, c'est bon, oh là là, allez. Hop là, demi-tour. Ouh. Primo Groudon est mort. Oh, l'XP. Scoot de France, Ermengarde, tout le monde monte d'un niveau. Sauf l'important, Akabu Bakar, mais bon. Allez, Yaourtine. On va mettre Yaourtine pour son Cisaioxy, parce qu'il a... ah non, il a Arcade Petit maintenant, quoi. D'accord. Bon bah je vais plonger alors. Oh c'est un archéaptif vampirisme. Mais oui c'est vrai, Yaourtine est tout nul comme Pokémon. Je suis trop con comme mec. Yaourtine est vraiment trop faible. Hein. Vraiment. Hein. Allez Petrushka. J'ai un peu peur qu'il me one-shot en fait. Donc on va faire directement Shuriken. Hop. Ça fait pas mal. Ils sont vraiment... ils sont EV et tout, les Pokémon. 3 fois. Vampirisme. Putain, merde. Ah, putain, les dégâts. Sérieusement, il va récupérer tellement de points de vie. Allez, mais c'est pas grave. Touche. Si tu touches plus que 3 fois, c'est bon. 1. 2. Ah, putain, merde. Et il a fait l'âme d'air cette fois. Mais ça va me tuer. Hein. Ah là 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 là, merde. Alors Boubacar a Vifrock, mais bon. Non, on va essayer avec Ermengarde. Putain, il est pété son Pokémon là. Regardez la boule dans le fond qui s'en bat les couilles. Allez, Vampy Baiser, ça va tuer. Oui, voilà, l'Arcapti mort. Boubacar monte au niveau 22. Cisaioxy le dresseur. Comment t'as appris à te battre comme ça? Eh bah c'est pas en regardant tes vidéos, Cisaioxy. Je pense que c'est pas si dégueu comme raisonnement. Non. 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 Non, 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 non. Non, 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 non. Non, Scoot de France. Putain. Mais je suis joueur, forcément. Putain, Scoot de France, s'il te plaît, ne me déçois pas. Ah putain, non. À chaque fois, je me fais niquer. C'est pas si mauvais que ça, à moins qu'il ait modifié les statistiques. Je suis le grand maître en stratégie, pile drongue, je pèse dans le game, tel un archéodon de type acier. Il y a un lit. Je m'assois sur le lit, je dors. Le lit est propre mais légèrement humide. Loul. Excusez-moi madame, pourquoi votre lit est légèrement humide? En plus, il y a des cactus céphaliques. C'est extrêmement suspect tout ça. Bon, d'accord. Oh, un écrémeux qui s'en va, qui s'enfuit en me voyant. Azelma! Coucou!
Azelma, l'ami des vaches. Bonjour à tous, c'est Azelma. Laurent Chana est très fier de son lait meumeux. Tu sais pas d'où il est tiré? Tu peux faire une dégustation. Magnifique. Hey, salut à tous, blabla, coucou. Je vais te donner un truc pas kiqué des hannetons. Mastouf. Mais c'est nul, Mastouf. Bon, je m'en fous. Ok, d'accord. Super. Elle est partie, elle n'a rien fait. Oh! Hé, j'ai perdu en beauté. Non. Tu n'as pas pris notre combat au sérieux. Mais si, je me suis bien amusé. Amusé? Un Pokémon n'a aucun intérêt si on ne donne pas tout ce qu'on a. Oh, salut Fifou. Le mec tout en noir, il fait peur. C'est toi Fifou. Je sais pas qui t'es, gros. Je vois que tu es plutôt méfiant, tant mieux, la vie est un combat, ne baisse pas ta garde. Mon nom est Silver, mon but est de me battre encore et encore. Silver de Pokémon Trash? Pour ça, tous les moyens sont bons, y compris pour travailler pour Pokémon Trash. Et voilà comment je suis devenu un pro de l'animé. C'est Silver! Oh putain, Silver. Oh là là, Silver, t'as pas l'air content du tout, hein. Silver, le team YouTube Money, moyade. Si j'arrive à tanker un vent violent, ou s'il rate vent violent, j'ai peut-être une chance. Pour mettre le tisson. Il rate pas, hein, il rate pas, il s'en bat les couilles et il va one-shot. Mais ouais, mais voilà, putain, j'ai des Pokémon qui ne servent à rien. J'ai pas envie de faire le taf avec un Pokémon, quoi, c'est dommage. Et voilà, Aiden. Ce fut long, mais ce fut fait. Et maintenant, on a des vampires baisés pour passer l'autre Pokémon. Boubacar niveau 23, Petrushka niveau 22. Allez, Palkia, on change pas, on est plus rapide que lui. Et on va lui faire très très mal avec le vampire baisé, là je pense. Et on devrait récupérer assez de points de vie pour tanker une attaque. Parce qu'on va récupérer beaucoup de PV, je pense. Parce que Palkia a beaucoup beaucoup de points de vie. Voilà. Allez, tu peux tanker. Non, il tanque pas. Hein. Allez. Encore. Ah ouais, mais putain, mais je reviens à la même situation, quoi. Non, c'est bon, parce que j'ai Bronzong cette fois. Voilà la différence. Je vais pouvoir finir avec Scout de France. Il rate pas ses attaques, en tout cas. Hein. L'adversaire ne ratera jamais ses attaques. Ermengarde, tu as fait le taf, ne t'en fais pas. Le travail a été fait. On va refaire la technique de Boubacar plus Danse Draco, hein, je pense. Hein, enfin, plus Vive Attaque. Pour être sûr de pouvoir tuer derrière avec notre Pokémon. Vive Attaque. La Tempête Sable. Allez, l'onde originelle. Je peux la tanker. J'ai un point de vie. Voilà, hein, merci Boubacar. Et regardez, l'empêche. Allez. J'espère qu'il a pas repos ou soin, quoi. Parce que s'il a repos ou soin, ça va être dur. Enfin, ça va être pas possible, en fait, d'ailleurs. S'il te plaît, c'est bon. Onde originelle, tu le tankes, 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 tu le tankes. Ouf, Scout de France. Allez, appel attaque. C'est plus tabé, mais ça devrait tuer. Fouf. Mon Dieu, que c'est dur. Eh ben, dis donc. Quoi? J'ai perdu. Avec mon Dialga Palkia, je sais plus là. Oh! Oui! Oui, évolue! 100% tu évolues! Allez! Boubacar, reviens-nous! Tu peux le faire! Zarbi? Oh oui! Il est revenu! Il est revenu!
Baguette des revenus, c'est bon, Boubacar. Boubacar, parle-moi. T'inquiète mec, j'en ai profité pour muer Oklm. Je n'ai pas été à la hauteur, mais croyez-moi vous deux, vous gâchez votre potentiel en prenant les combats à la légère. Comment ça? Toi par exemple, tes Pokémon se débrouillent bien. Si tu veux te battre pour t'amuser, c'est ton droit. Mais au fond, ça m'a l'air d'une excuse. Blablabla, tu prends tout à la rigolade. Silver, tu nous déçois grave. Wesh. Wesh. Y'a rien à attendre d'un Minop qui a fugué de chez lui. Dégage le fragile, laisse faire les vrais. Oh non, encore un combat. D'accord. Non mais... Tu... Ta tête quoi. T'as dit quoi là? Ah, vous n'arrivez déjà pas à me battre, épargnez votre incompétence à vos Pokémon. Ils méritent mieux que ça. Donc on a galéré à venir pour que dalle. Je te rappelle que si tu nous avais pas arrêté, on aurait pu pécho le Pokémon de Nigan de la colline Makouille. Tirons-nous de là. Ok. Écoute-moi bien mon petit Silver, tu crois pas à l'esprit juste parce que le boss t'aime bien. Tu bosses pour nous, mais tu fais partie de la YouTube monnaie. Mais d'accord. C'était un fantôme. Quel beau moment de télévision. Maintenant, je suppose que Cisayoxi va vouloir poser son beat, voilà. Merci Archéodon, vous avez assuré. Hop. Des rappels. Ah bah j'en aurais besoin, hein, vu ma team. Allez, on va s'arrêter là, hein. Pour aujourd'hui, merci à tous d'avoir regardé ce Let's Play. Votez pour qui on va virer, tout simplement. N'hésitez pas à commenter, à liker, vous pouvez aussi me faire des bisous si c'est pas déjà fait. Et en attendant la prochaine, je vous dis tchuss.